Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo un petit peu spéciale parce que je vais vous parler des films que je n'ai pas vus et que je n'ai pas envie de voir. Alors cette vidéo, c'est un petit peu pour faire écho à ma vidéo sur les films que je trouve les plus traumatisants parce que dans les commentaires, on me pose beaucoup de questions à propos de certains films et il y a certains films qui reviennent très souvent dans les commentaires comme par exemple le film Salaud. Donc voilà, je vais enfin pouvoir vous donner ma réponse à propos de ce genre de film-là. Avant de commencer, je fais juste un petit disclaimer en disant que je ne juge absolument pas les personnes qui aiment les films dont je vais parler, qui les aiment, qui les ont vus ou qui ont envie de les voir. D'ailleurs, ça sera peut-être pour vous l'occasion de vous faire une petite liste des films un peu trash à voir absolument. En tout cas, voilà, moi, ce sont des films que je ne veux pas voir ou que je ne veux pas revoir. Je vais vous expliquer pourquoi également. Et je commence tout de suite avec le film Salaud ou les 120 journées de Sodome qui est réalisé par Pausolini. C'est un film italien qui est sorti en 1975. Dans ce film, on va suivre quatre notables italiens qui vont kidnapper 9 jeunes garçons et 9 jeunes filles pour les retenir captifs dans une grande demeure et se servir d'eux pour tous leurs fantasmes, toutes leurs fantaisies, etc. C'est un film que je n'ai pas du tout envie de voir, pourtant je sais que ça fait partie des films cultes, certains diront que c'était le genre de film à voir absolument. Pourtant, c'est un film que moi je ne veux pas voir, déjà il dure plus de 2h30 et pendant plus de 2h30 on va assister à des humiliations, des sévices, des scènes de viol, des scènes de scatophilie. Et sincèrement, c'est le genre de film qui ne me fait pas du tout envie, je n'ai pas du tout envie de le voir, j'en ai jamais eu l'envie, j'en ai jamais eu l'occasion, mais je pense que même si l'occasion se présentait, je n'aurais pas envie de le regarder. Je sais que derrière tout ça, il y a un message politique à propos, voilà, de la toute puissance des plus riches, à propos de la société de consommation, etc. Mais pour moi, ça fait partie des films qui sont beaucoup trop choquants, beaucoup trop perturbants. Et voilà, j'ai pas envie de m'embrouiller l'esprit avec ce genre de film-là. Dans un autre registre, il y a le film Snuff 102, qui est un film argentin qui est sorti en 2007. On va suivre parallèlement une journaliste qui interviewe une critique ciné à propos des snuff movies. Et à côté de ça, on va suivre une personne qui détient en otage et qui torture trois jeunes femmes. À savoir que ce film-là n'a pas d'interdiction spécifique parce qu'aucun comité de notation ne souhaite le regarder pour le soumettre à la note. Et pour la petite anecdote, ce film est passé une seule fois au cinéma en Argentine, donc dans son pays d'origine, dans un festival de films international. Et pendant la séance, certaines personnes sont sorties, certaines personnes ont fait des malaises, il paraît même que quelqu'un a fait un malaise cardiaque. Et surtout, suite à la projection du film, certains spectateurs ont décidé de porter plainte contre le festival pour le spectacle qu'on leur avait infligé. Alors, c'est typiquement le genre d'anecdote qui fait la réputation sulfureuse d'un film. C'est le genre d'anecdote qui va faire que ça donne plus ou moins envie de regarder ce film-là. Mais personnellement, je n'aime pas les faux snuff movies, bon, je n'aime pas les vrais non plus, hein. Mais je n'aime pas trop ce genre de film-là dans le sens où on essaye de nous faire croire que c'est réel alors que ça ne l'est pas, c'est de la fiction. Mais on utilise le prisme de l'amateurisme pour faire passer ça pour du vrai. C'est quelque chose qui ne m'intéresse pas, c'est vraiment de la violence pour de la violence, du gore pour du gore. Et vraiment, c'est le genre de film qui ne m'a jamais attirée, comme par exemple les films August Underground. Je sais qu'il y en a deux ou trois, il me semble. Ce sont des films pendant lesquels on va suivre pendant une heure et demie, un ou plusieurs tueurs qui vont torturer une ou plusieurs victimes. Voilà, les violer, les torturer, les mutiler, etc. C'est vraiment pas du tout le genre de film que j'aime regarder. J'aime bien le gore quand c'est décomplexé, quand c'est fun, quand ça reste vraiment dans un cadre fictionnel, comme par exemple Braindead. Mais quand ça veut faire semblant d'être vrai, il y a quelque chose qui me dérange là-dedans. Il y a également le film Green Elephant, qui est un film russe. Pareil, c'est un espèce de film amateur avec uniquement de la torture. À savoir qu'en plus, la réalisatrice de Green Elephant est bannie de son propre pays à cause de ce film-là, donc ça annonce un petit peu la couleur. Dans un autre registre, il y a le film Philosophy of a Knife, qui est un film russe qui date de 2008, qui dure plus de 4 heures et qui va retracer les expérimentations médicales du camp japonais 731 pendant la guerre, qui a expérimenté des techniques médicales sur certains prisonniers pour voir jusqu'où était leur seuil de douleur. Encore une fois, c'est sans moi ce genre de film-là, vraiment la torture juste pour le plaisir, ça ne m'intéresse pas du tout. En plus de ça, le film dure 4 heures, je crois qu'il y a quasiment pas de dialogue. Il paraît que c'est très mal filmé, c'est en noir et blanc, il y a vraiment tous les éléments pour en faire un film très underground qui plaira sûrement à une communauté de fans de films extrêmes, mais je n'en fais pas partie. Et plus récemment, il y a le film Making of, qui est un film français qui est sorti en 2012. S'il vous intéresse d'ailleurs, il est disponible sur la plateforme Shadows.
C'est un film où on va suivre un réalisateur amateur de films d'horreur qui veut faire un film avec ses amis, sauf que tout tourne très très mal parce que les acteurs sont amateurs, personne ne sait ce qu'il doit faire, le scénario est très mauvais. Le réalisateur pète les plombs et va se mettre à tuer tous les acteurs de son film et il va décider de faire une sorte de making-of de cette tuerie. Alors, c'est un film où les avis sont très mitigés. Il y a des gens qui vont apprécier le côté humour noir, deuxième, troisième degré, humour un peu décomplexé, etc. Mais une autre partie du public s'accorde sur le fait que c'est un film qui est violent gratuitement. Il y a des scènes de scatophilie, de nécrophilie, de meurtre, de torture, etc. C'est sans moi. Alors, je suis quand même un petit peu mitigée parce que c'est un film français. Vous savez que j'aime bien défendre le cinéma d'horreur français parce qu'on n'a pas beaucoup de films d'horreur en France et que voilà, pour moi, toutes les occasions sont bonnes. Mais ici, j'avoue que c'est typiquement le genre de film qui ne me branche absolument pas. Peut-être que je passe à côté de quelque chose, j'en ai aucune idée. Mais en tout cas, une chose est sûre, c'est que pour le moment, je ne suis pas prête à voir ce genre de film-là. J'ai pas envie d'être choquée juste pour le plaisir d'être choquée. Après, il y a également les films que j'ai déjà vus, mais que par contre, je ne reverrai pas. Tout d'abord, Cannibal Holocaust. Je vous en ai déjà parlé. C'est un film que je n'aime pas du tout. Je l'ai regardé parce qu'on m'en avait très longuement parlé avant que je le regarde. Toutes les personnes qui m'en parlaient me disaient que c'était le pire film qu'ils aient vu, que le film était épouvantable, traumatisant, choquant, sanglant, gore, tout ce que vous voulez. Jusqu'au moment où je me suis enfin décidée à le regarder. Voilà, le film en plus est considéré comme un film culte. Donc, j'ai quand même eu envie de le voir. C'est un film italien qui est sorti en 1980, qui a fait énormément de scandales parce que certaines personnes pensaient que les scènes de meurtre étaient réelles et le réalisateur avait dû prouver au tribunal que ces acteurs étaient bien vivants, que c'était des effets spéciaux, etc. Dans Cannibal Holocaust, on suit une expédition de secours qui part à la recherche d'un groupe de journalistes qui a disparu depuis plus de 2 mois, qui serait tombé aux mains d'une tribu cannibale. Ce qui me dérange essentiellement dans ce film, et je sais que je ne suis pas la seule, c'est la torture aux animaux qui a été infligée dans ce film-là. Ça ne correspond pas du tout à ma façon de vivre, ça ne correspond pas du tout à mon éthique personnelle. C'est quelque chose qui me dérange énormément. Déjà, souvent, le meurtre d'animal est un petit peu gratuit dans les films, que ce soit dans les films d'horreur ou autres. Mais en temps normal, on utilise de faux animaux pour faire ça, ou des animaux acteurs, des chiens acteurs qui vont très bien jouer le mort, etc. Sauf que dans Cannibal Holocaust, ils ont utilisé de vrais animaux exotiques pour les tuer, pour des scènes, voilà. Et je trouve qu'avec ça, malheureusement, le film tombe dans les travers qu'il va dénoncer. Je trouve ça très dommage. Et je trouve ça tout bonnement scandaleux et intolérable, en fait, de tuer des animaux qui n'ont rien demandé à personne, juste pour le plaisir de réaliser un film. Je pense notamment à la scène de la tortue, qui est une scène absolument épouvantable, qui n'a rien à faire là, qui aurait pu être faite d'une autre façon, avec une fausse tortue, ou qui aurait pu être faite hors champ, par exemple. Et c'est ce qui m'a le plus dérangé dans ce film-là, voilà, en dehors des scènes gore, en dehors des scènes de meurtre sur des humains. Ce qui m'a le plus dérangé, c'est vraiment la torture qui a été infligée aux animaux. Et je vous parlerai également de la saga The Human Centipede. On me demande souvent mon avis sur cette saga. Alors oui, j'ai vu les films, j'ai vu les 3 films qui sont réalisés par Tom Six, qui sont sortis respectivement en 2009, en 2011 et en 2015. Alors, c'est vraiment le film qui avait fait le buzz quand ils sont sortis. Je me souviens très bien de la sortie de Human Centipede. Il y avait eu des cinémas où le film avait été projeté et les gens avaient dû rentrer à 4 pattes à la queue leu-leu dans la salle de ciné, par exemple. Ça avait participé, voilà, à la réputation du film, au folklore qui en avait tout autour. Je l'ai regardé par pure curiosité. Le postulat de départ de Human Centipede est quand même assez original, assez drôle et assez fou, avec ce médecin complètement cinglé qui veut faire un mille-pattes humain en reliant 3 personnes par leur tube digestif. Je vous passerai les détails, je pense que vous les connaissez de toute façon. Le postulat de départ, ok, il est original, mais le film est hyper mauvais parce qu'il tombe dans tous les clichés possibles. L'histoire est pas folle, c'est vraiment juste pour choquer, pour traumatiser les gens. Ça a fait son petit effet, mais voilà, vraiment pour moi c'est un film sans plus. Et ma curiosité m'a poussée à regarder le 2 et le 3. Le deuxième film est absolument sordide, même si encore une fois il y a de l'idée dans le sens où Human Centipede 2, c'est une mise en abîme du premier parce que le personnage principal du 2 est fan du film Human Centipede et il veut s'inspirer de son personnage préféré, de son film favori pour créer son propre mille-pattes humain. Donc il utilise, il me semble, une cinquantaine de personnes, sauf que lui n'est pas du tout médecin, il est un petit peu zinzin.
Donc, ça vire dans le dégueulasse, le plus total. C'est vraiment gore, c'est vraiment crade, mais pour rien. Il y a des scènes extrêmement choquantes qui sont là juste pour le plaisir de choquer, disons-le clairement. Et le 3, alors le 3, c'est l'absurdité la plus totale, parce que dans le 3, c'est une prison qui va mettre en place un mille-pattes humain avec plus de 500 personnes pour soi-disant aider au budget de la prison. Voilà, parce que ça coûtera beaucoup moins cher de faire un mille-pattes humain que de nourrir les prisonniers. Idée pour le moins étrange, on peut le dire comme ça. Mais dans le troisième, c'est vraiment du gore, de la vulgarité, du sexisme. Tout y passe. Et le problème avec la saga The Human Centipede, c'est que j'ai juste l'impression de voir les films d'un sale gosse qui a envie de faire chier son monde, qui a envie de choquer, qui a envie de provoquer, qui a très bien réussi son coup, parce que voilà, pour beaucoup de gens, la saga Human Centipede, c'est quelque chose de d'énorme ou quoi. Mais voilà, c'est typiquement le genre de film que j'ai vu une fois, que je ne regarderai sûrement jamais. J'ai vraiment perdu mon temps, je pense, en regardant le 2 et le 3. Malheureusement, je pense qu'il y a d'autres films qui méritaient le coup d'œil que cela. Alors, si vous me suivez sur Instagram, vous savez que de temps en temps, je vous pose des questions par rapport à mes futures vidéos pour que vous puissiez réagir en fait avec moi dans mes vidéos. Et je vous avais posé la question de savoir quels étaient les films d'horreur que vous ne souhaitiez pas voir par peur d'être choqué ou parce que voilà, c'était pas votre genre de film. Et les films qui sont revenus le plus souvent, c'est A Serbian Film, The Human Centipede, Martyr, Calvaire, Hostel et Salo, justement, comme moi. Donc il y a beaucoup de films qu'on a en commun, qu'on n'a pas envie de voir. Je me souviens de Domi aussi qui m'a répondu le film Making of, qui du coup allait dans mon sens en disant voilà, c'est vraiment la peur d'être choqué juste pour le plaisir d'être choqué. Je suis quand même assez contente de vos réponses parce que je vois qu'on est quand même dans des films qui sont plutôt extrêmes, qui ont quand même des réputations assez sulfureuses. Donc voilà, si vous avez envie de voir des films extrêmes, écoutez, vous pouvez vous inspirer en tout cas de cette petite liste-là. Dites-moi maintenant dans les commentaires quels sont les films que vous n'avez pas du tout envie de voir et dites-moi pourquoi vous n'avez pas envie de voir ces films. Si cette vidéo vous a plu, comme d'habitude, n'hésitez pas à me laisser un petit pouce en l'air pour me le faire savoir et pour m'encourager dans mon travail. Si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, c'est le moment de le faire. En attendant, vous pouvez me retrouver sur Facebook, sur Twitter, sur Instagram, sur Utip. Et d'ailleurs, j'en profite pour remercier tous mes tipeurs et mes fire tipeurs parce que je pense que vous l'aurez vu, j'ai enfin un micro. J'espère que ça s'entendra bien et c'est vraiment grâce à vous, grâce à vos dons sur Utip que je l'ai acheté. Je vous avais promis que tous les dons seraient utilisés pour la chaîne et que je vous en ferai part à chaque fois. Donc voilà, je vous remercie énormément, je vous fais de très gros bisous et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Salut !